Gemini, c'est une expérience de foire, hein, paysanne. Lorsqu'il fallait mettre, nous sommes allés à la foire de l'Ajac en 2004, à Zingenchor, et on a vu que il y a un espace. Ils avaient un espace où il y avait vraiment mis tout ce qui ressortait de l'agriculture. Et ça nous a inspiré, on a dit, mais tiens, si la SPSP veut développer la semence paysanne, il faut, voilà le genre d'outils à voir qu'il faut utiliser pour pouvoir développer ça. Et en 2007, 3 ans après, nous avons tenté de mettre en place une foire à laquelle nous avions convié les voisins, la Gambie et la Guinée-Bissau, et la Guinée. Mais en fait, c'était un premier coup d'essai, il y a eu plus de problèmes que de réussite. Mais après, quand on a commencé à préparer la foire 2009, on s'est rendu compte très rapidement que les populations ont aimé la foire 2007. Les paysans, ils aiment être dans un milieu paysan pour ne pas être déphasés. Je donne par exemple des exemples. Il y avait la Fiara qui existait, mais qui était en ville, à la place de l'obélisque. Et quand les populations arrivaient là-bas, ils avaient du mal à aller aux toilettes avec les boxes là, se laver. Ils avaient des problèmes. Il y avait l'expérience aussi de la. Il déplorait aussi la forte présence des forces de l'ordre. On voyait la police qui était là, des policiers qui étaient là. Le paysan qui venait du monde rural, qui arrive à la fois là-bas, il était vraiment en déphasage. On installait des panels style amphithéâtre et on voulait vraiment avoir la vie des paysans. Non, le paysan, c'est une personne modeste. Hein, humble. Il n'aimait pas vraiment prendre la parole devant ce parterre solennel là. Non. Bon, on a donc créé une foire en plein milieu rural, dans un village. Les habitants, c'était des villages, la majeure partie des participants, ils habitent dans le village avec les villageois qui ont cédé leur lit, cédé leur maison aux invités, aux participants. Et donc, pendant la foire, l'autorisation était donnée à n'importe qui de parler sa langue. Tu parles en bambara, on te traduit. Tu parles en peul, on te traduit. Tu parles en wolof, on te traduit. Donc, il y avait autant de facteurs qui faisaient que les populations ont montré vraiment leur goût prononcé pour les foires qui se tenaient en milieu rural. Et 2007, 2009, 2011, à l'occasion de 2011, on a encore développé cet avantage-là. Et il y avait une grille de pays africains qui avaient déjà participé à cela. Comme il y avait la présence de beaucoup de pays africains et de nord-africains et de pays européens, donc on en a profité pour mettre en place le comité ouest africain de semences paysannes qui est en train de fonctionner jusqu'à présent. Donc la foire 2020, ça va être une foire d'abord qui sera gérée par les jeunes, la très jeune génération qui va s'occuper de cette foire-là. Et sera aussi un lieu où les gens vont vraiment trouver
on consomme local dans tous ces états, hein, parce que depuis la première fois jusqu'à présent, on est en train de développer la consommation locale. Mais cette fois-ci, ça va être une consommation locale produite localement. Tout ce que les gens ont produit localement vont être inventoriés. Si c'est le riz, si c'est le pognon, si c'est la pâte d'arachide, si c'est des arachides même, si c'est du pain, on va le facturer sur place. Si c'est des jus de fruits, on va le faire sur place avec les fruits qui sont disponibles sur place. L'huile de palme, tous les produits d'assaisonnement, surtout le soumala, le soumkan, le soumpagne, nous sommes la solution qui est aujourd'hui au point. Donc, on est sûr que nous allons vers une foire où le consommateur local sera une véritable réalité. Et maintenant, les panels. Pour les panels, pour les thèmes, pour d'abord le thème de la foire, nous avons lancé un appel à proposition à travers le comité africain de semences paysannes qui a fait à travers toutes les organisations sénégalaises pour que chaque organisation puisse dire « Moi, j'aurais préféré le thème sur les pommes de terre, ou bien sur les patates, ou bien tel, ou bien sur les femmes, sur les enfants, etc. » Donc, l'appel est ouvert. On a clôturé ça le 20 mai, mais il y a eu comme d'excellente participation. Maintenant, on va prendre les participations là et on va s'ouvrir à quelques ressources humaines. Donc, nous pourrons, qui sont des partenaires techniques avec qui nous travaillons. Ça, c'est le thème. Mais pour le thème central, c'est ça. C'est comme ça qu'on définit le thème central. Mais il y aura, pour les panels, il y aura un, deux, trois panels qui vont prendre des axes prioritaires. Mais aussi, il y a des side events, c'est-à-dire des auditoires contigus qui seront là, qui vont permettre de développer certaines occasions, notamment sur la communication, sur les sites web, sur ce que les médias comme ont fait et qui est très intéressant, de montrer un peu le guide, le manuel, de parler du guide sur le COEX, de parler du programme du Divago, de présenter certaines expériences qui sont assez intéressantes sur le projet unitaire. On aurait souhaité aussi faire un focus sur l'attraction animale, au moment où on est en train de montrer la mécanisation. Nous, on est un peu tétradin, mais nous, on pense que il faut travailler sur la traction animale, le cheval, pour le transport, c'est très important. Quand tu as un beau cheval bien nourri, il peut bien faire tout. Et quand tu as une paire de bœufs, pour labourer, c'est très facile. Et aussi, inviter certains innovateurs. Au Burkina Faso, il y a quelqu'un qui a mis au point une machine où un seul paysan peut embraver un hectare en une demi-journée. Un seul paysan avec cette machine. Donc, appeler ces innovateurs-là à venir montrer ce qu'ils ont trouvé. Tout ça, c'est... Il y a la collaboration avec ceux qui sont aujourd'hui en train de travailler sur la justice équine, sur le cheval et sur l'âne. Parce que l'âne est très, très agressé parce qu'il paraît qu'il y a des nationalités qui consomment cette viande-là et qui viennent aujourd'hui acheter des ânes ici, sont en train de participer au dépeuplement des ânes. Tout ça, ça mérite qu'on travaille là-dessus. Et les chevaux ont souffert cette année-ci parce qu'il y a eu une grippe qui est venue, il y en a tué. Voilà.
Voilà. Et la race locale, c'est la semence. La race, les races, favoriser les races locales, c'est l'occasion de parler des races locales, qu'elles soient de la volaille, qu'elles soient des équidés, qu'elles soient, comment dirais-je, qu'elles soient bovins ou bien qu'elles soient des ovins. Et donc, il y a tout ça, quoi. Une foire, c'est vraiment la diversité. On voulait vraiment montrer la diversité et présenter le calendrier agricole sénégalais. De la biodiversité non cultivée, parce qu'on a travaillé sur un petit calendrier là. Pendant cette saison-là, il faut ça, on a ça. Pendant cette saison-là, on a ça. Pendant cette saison-là, on a ça. C'est le moment maintenant de prendre ce calendrier-là, des saisons, de le mettre en rapport avec la réalité pour que tout le monde puisse comprendre que moi, je suis au mois de juin. Ah oui, j'ai tous ces produits-là. Où il faut aller les chercher? Tu vois, ici, on a une tonne de riz qui reste. On est en train de vendre du riz des producteurs de la vallée du fleuve qui ont accepté de bien vouloir travailler en agro-bio, en agriculture, en agroécologie. Et quand ils ont terminé, ils avaient 2,4 tonnes. On a récupéré ça et on les a mis là. Et on est en train de les aider à la distribution. Et ça passe. Voilà. Il y a la ferme des quatre chemins qui va venir amener des fruits et légumes qui sont produits à Touba Bialao et dans les environs. Nous sommes en train de parler avec la FAPD pour faire de sorte que ici il puisse donc, tout individu qui doute de la production de la conventionnelle puisse venir trouver ici soit des semences, soit des produits qui sont prêts, le riz, le foyer, les fruits, les légumes. La dégustation comme preuve. Voilà, il y aura à la foire aussi des dégustations parce que c'est ça. D'ailleurs, tout ce qui sera consommé, comme mil, comme sorgho, comme riz, va provenir sur place. Sur place, on aura ça sur place, c'est-à-dire produit ça sur place. C'est fini, c'est plus comme on faisait. Que quelqu'un aille au marché, il vient pour une fois de 10 millions, nous achète des oignons de Hollande. Non, ça c'est fini. Tous les produits seront achetés auprès des producteurs pour permettre à l'économie locale de pouvoir. Donc, et pour te dire qu'on ne s'amuse pas avec ça, on a déjà commencé à stocker du riz. Une tonne va venir à la fin de ce mois-là pour renforcer ce qui est là. Et voir comment dans nous-mêmes organiser notre chaîne de consommation de nos produits. Voilà. On va se battre pour ça quand même. Mais Jimini 2020, ça va être une grosse affaire. Là, parce que Jimini 2018, c'était 600 personnes, 600 participants. Hein? Sur les 600 participants, il y avait presque 75% de femmes. Et ce ne sont pas n'importe quelle femme, c'était des femmes productrices.